Jesus first, or the second, and yourself last. This is a vision of life. Une jeunesse qui ne progresse. Ivre de plaisir. Ivre d'alcool. En quête de popularité. Une jeunesse dans la confusion. Je dirais même dans l'illusion. Il est temps de te réveiller. Quel est ton but dans la vie? Que recherches-tu? Que veux-tu atteindre? Entre nous, que te dit ton cœur? Es-tu un exemple pour ton prochain? Non, je ne le suis pas. Peut-être que si, en mal. Exerces-tu une influence? Je pense, mais est-elle bonne ou mauvaise? Comment le saurais-je? Que communiques-tu autour de toi? Quelle direction as-tu emprunté? Tout peut changer. Tout va changer. Jesus first, or the second, and yourself last. This is a vision of life. Yeah.
second, earn yourself lost. This is pour votre présence. C'est un honneur pour nous. C'est un honneur pour le mouvement de la jeunesse chrétienne que d'avoir des hommes de Dieu à nos côtés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous en prie, asseyez-vous. Moi, personnellement, j'exerce mon ministère à l'Église évangélique du Saint-Esprit. Il y a une partie de l'équipe qui est là. Et alors, ici, nous sommes dans le cadre du mouvement de la jeunesse chrétienne avec ce thème que nous connaissons déjà. Jeune, que laisseras-tu sur ton passage? Jeune, que veux-tu laisser sur ton passage? Alléluia. Amen. Je vais parler. J'avais préparé quelque chose, mais j'ai à cœur de parler. Amen. De parler de ce que Dieu a mis dans mon cœur quand j'étais là. J'aurais besoin de quelqu'un à la technique tout de même. Merci. Alors, nous allons tout simplement refaire un bref point. Jeune, que laisseras-tu sur ton passage? La dernière fois, c'est-à-dire l'an dernier, nous avions tout simplement dit que la jeunesse était une période de transition. C'est un passage. On ne fait que passer. Ce n'est pas éternel. Jeune, si tu es là et que tu penses que c'est éternel, sache que ce n'est pas éternel. Toutefois, tu as la possibilité de laisser quelque chose sur ton chemin et ainsi d'impacter ta génération, d'influencer ton temps, de sorte que tous s'en souviennent plus tard. Peut-être que tu ne seras plus jeune, peut-être que tu seras vieux, mais à cause des actes que tu auras posés, à cause de ce que tu auras semé maintenant, plus tard tu récolteras quelque chose et plus tard les autres en parleront. Amen. Amen. Alors jeune, que laisseras-tu sur ton passage? Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs jeunes. Oh, il y a plusieurs portraits dont je peux parler aujourd'hui. Plusieurs portraits. Aujourd'hui, j'avais à cœur de parler du portrait de Joseph. Joseph, ce jeune qui avait un rêve. Joseph, ce jeune qui, à cause de son rêve, a été mené plus bas que terre. Joseph qui, à cause de son rêve, a été élevé plus haut. Joseph. Nous allons lire dans le livre... Oh, Jésus. J'ai à cœur de lire l'histoire de Joseph et en même temps, j'ai à cœur de parler d'autre chose. Oh Seigneur, conduis-nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Père, nous sommes dans Genèse 37. La Bible déclare, les frères de Joseph étant allés à Sichem, donc Genèse 37, pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, mais que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Voyez-vous, on l'avait déjà catalogué, le faiseur de songes. Nous sommes au verset 20. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites
venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ?» Et j'ai envie de dire aujourd'hui à quelqu'un, à un jeune, « Que gagnes-tu à tuer le don que tu as reçu de Dieu ?» Que gagnes-tu à tuer la vision que tu as reçue de Dieu? Que gagnes-tu à cacher le talent que tu as en toi? Que gagnes-tu à mépriser les autres qui sont chrétiens? Que gagnes-tu à faire toutes ces choses? Alors ils dirent, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Je vais m'arrêter là et on va en parler tout simplement. Joseph est vendu par ses frères. Joseph qui a un grand songe, qui a un grand rêve, qui a fait un songe. Et lorsqu'il avait fait ce songe, il l'a partagé à ses frères. Il l'a partagé. Aujourd'hui, tu peux avoir un songe, avoir une vision et le partager à un ami, le partager à une amie ou encore à un membre de ta famille. Toutefois, tous ne sont pas contents. Toutefois, quand tu évoques le rêve que tu as, quand tu évoques le message qu'il y a dans ton cœur, le message que certainement Dieu a mis dans ton cœur, pas tout le monde n'est content. Et alors, ils peuvent te tuer, ils peuvent te descendre. Mais toi, attache-toi à cette vision. Amen. Amen. Attache-toi à ce que tu as reçu de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne considère pas que je parle à des jeunes en ce lieu, en fait. Je ne considère pas que je parle à un jeune. Je parle à des esprits. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le saviez-vous? Un homme est un esprit. Le saviez-vous? Un homme est un esprit. Alléluia. Amen. Au commencement, Dieu créa la terre, le monde et tout ce qui s'y trouve. Il a créé l'homme. Et lorsqu'il a créé l'homme, il l'a insufflé, un souffle dans les narines. L'homme a reçu la vie, mais l'homme a également reçu un esprit, l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand il a reçu cet esprit, il a également eu une recommandation de Dieu de faire toute chose, dominer, de gouverner, de gérer. Et Dieu lui a donné toute autorité à l'homme. Mais l'homme, lorsqu'il a péché, c'est-à-dire lorsqu'il a mangé de l'arbre, du fruit de la connaissance du bien et du mal, il a rompu cette relation avec Dieu. Et l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu s'en est allée. Mais dans son amour, Jésus est venu. Alléluia. Dans son amour, Jésus est venu. Et quand Jésus est venu, Jésus n'est pas venu simplement pour apporter la vie, mais il est également venu pour restaurer une relation que l'homme avait perdue avec Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avions perdu, nous, hommes que nous sommes, nous avions perdu ce contact avec Dieu. Nous n'étions plus en relation directe avec Abba Père. Il a fallu que Jésus vienne. Et quand Jésus est venu, il a fallu qu'il reparte. C'est ainsi qu'il dira, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que l'Esprit de Dieu descende. C'est alors que nous en sommes à cette phrase dans la Bible qui dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors vous serez mes témoins. Mais remarquez que dans le livre de Joël, dans le livre de Joël, au chapitre 2, au verset 28. Ces derniers temps-là, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais encore, vos jeunes gens auront des visions. Oh, une vision que nous avions certainement perdue, mais maintenant elle est là. Elle est là pourquoi? Parce que tu es un esprit. Tu es un esprit. En toi, il y a l'esprit de Dieu. Qui croit cela? En toi, il y a l'esprit de Jésus. En toi, il y a l'esprit de Dieu. Alors quand je dis un homme est un esprit, je veux aussi te dire que un esprit, l'esprit de Dieu, j'insiste,
l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui te donne l'intelligence. Nous y voilà. C'est l'Esprit qui te donne l'intelligence. Ok. C'est l'Esprit qui te donne la sagesse. Ok. C'est l'Esprit qui te donne la force. Le Saint-Esprit en toi te donne la force. Est-ce que tu crois que tu as le Saint-Esprit? Je vois certaines personnes qui doutent en ce lieu. Je ressens le doute. Tu ne crois pas que tu as le Saint-Esprit? Laisse-moi te dire que l'Esprit de Dieu, parce que tu avais fait le choix d'être ici aujourd'hui, l'Esprit de Dieu te visite. L'Esprit de Dieu te visite. L'Esprit de Dieu est là. Et je te dis qu'en toi, il y a une force. En toi, il y a quelque chose. Certainement, cette chose et cette vision dont nous parle le livre de Joël. Certainement, cette chose est une sagesse que j'ai besoin de connaître aussi. Mouvement jeunesse chrétienne. On s'apporte beaucoup les uns les autres. C'est vrai. Mais il y a cette chose. Des fois, j'en parle et j'ai l'impression peut-être que vous en doutez. Il y a cette chose que vous avez qui vient de Dieu. C'est une force. C'est un esprit puissant. C'est un esprit qui vous révèle des choses que vous ne soupçonnez pas. C'est le Saint-Esprit. On peut passer. Nous allons lire ce verset qui dit « Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. » Ok. C'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui te donne quoi ? L'intelligence. Ok. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. D'ailleurs, dernièrement, je parlais avec une servante de Dieu et elle m'a fait remarquer, remarque, Vévette, un esprit n'a pas d'âge. Un esprit n'a pas d'âge. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ici, vous êtes des esprits. Je suis un esprit, je m'adresse à plusieurs esprits. Ok. L'esprit, le souffle du Tout-Puissant est en vous. C'est la Bible qui le dit. En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant. Et cet Esprit donne l'intelligence. Cet Esprit donne la sagesse. Voilà pourquoi la Bible nous fait remarquer que pour avoir la sagesse, pas besoin d'être âgé. Il suffit d'avoir l'Esprit de Dieu. Et la sagesse, tu l'auras. Amen. On va prendre nos Bibles, si vous avez vos Bibles. Il me tient à cœur de le lire dans la Bible. Amen. Nous sommes donc dans le livre de Job. Au chapitre 32. Et alors nous sommes au verset 8 à 9. La Bible dit ceci. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse et ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. C'est-à-dire que bien que tu sois jeune d'âge, tu as la sagesse. Bien que tu sois jeune d'âge, tu as la capacité de juger si ce que tu fais est bon ou non. Nous y venons. Ce que tu fais, est-ce bon ou non? Tu me diras, et beaucoup de jeunes me disent cela, je ne sais pas trop distinguer si ce que je fais est bon ou non. Eh bien pourtant, si. Tu peux le distinguer. Et certainement, tu le distingues lorsque ta conscience te parle. Lorsque ta conscience te fait remarquer, là, je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas en relation avec la parole de Dieu. Là, je suis en train de faire, de poser des actes qui sont en contradiction avec la parole de Dieu. Et cette conscience, certains diront, c'est une conscience. Moi, je te dis, c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. C'est l'Esprit de Dieu qui te dit, mon fils, ma fille, stop. Là, tu ne fais plus preuve de sagesse. Là, tu m'éloignes loin de toi. Là, à présent, je suis loin de toi. Et c'est alors que tu remarqueras que tu commences à divaguer à gauche, à droite. C'est alors que tu remarqueras que tu commences à écouter les conseils des amis qui ne sont pas bons. Vous savez, j'ai envie de dire aujourd'hui à la jeunesse, et Dieu m'a dit de vous dire, attache-toi à ces amis qui te présentent Jésus. Pourquoi? Parce que les personnes qui te présentent Jésus, ce sont les personnes qui t'aiment. Les personnes qui te présentent Jésus, ce sont les personnes qui t'aiment. Et ils sont peut-être peu dans
dans ton entourage, mais la seule personne qui te présente Jésus, je ne connais pas son nom, mais attache-toi à cette personne. Parce que lorsqu'elle te présente Jésus, elle est en train de susciter en toi l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu est suscité au-dedans de toi, tu reconnais que Jésus, oui, c'est lui mon maître. Et si c'est lui ton maître, tu te dois de te soumettre tout simplement. Se soumettre à Dieu, oh, se soumettre à Dieu, ce n'est pas simplement servir au point où certains pensent que c'est de la servitude. Quand tu te soumets à Dieu, toi-même tu reçois. Quand tu te soumets à Dieu, toi-même tu es délivré de tes ennemis. Quand tu te soumets à Jésus, quand tu soumets ta force, c'est-à-dire ton esprit qui est en relation avec l'Esprit de Dieu, cette force qui travaille avec toi, de sorte que ton talent, tes compétences, tes capacités puissent contribuer à l'œuvre de Dieu et puissent contribuer à ce que ta génération, et quand je parle de ta génération, je vise également les personnes les plus âgées, puisse contribuer à ce que ta génération revienne à Dieu. Oh, j'ai ce désir dans mon cœur. Revenez à Dieu. Reviens à Dieu avec sincérité de cœur. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Pourquoi? Parce qu'il a mis quelque chose en toi. Peut-être que tu ne le vois pas. Peut-être que tu ne le sais pas. Mais laisse-moi te convaincre de cela. Jésus a mis quelque chose en toi. Pourquoi? Parce que dès le commencement, il te connaissait. Dès le commencement, il t'avait choisi. Dès le commencement, il connaissait ton nom. Avant même que l'on puisse se rencontrer, Jésus, lui, il te connaissait déjà. Avant même que tu sois en ce lieu, Jésus savait que tu serais ici. Les amis qui te présentent Jésus, peut-être sont-ils très peu dans ton entourage, mais attache-toi à eux. Les amis qui sont là pour te relever quand tu tombes, certainement sont-ils de bons conseils. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Mais pose-toi toujours la question, ont-ils Jésus? Ont-ils Jésus? Et lorsque tu poses des actes, demande-toi ceci, est-ce que Jésus m'accompagne? Est-ce que le Saint-Esprit marche avec moi quand je suis en train de poser des actes qui, à première vue, ne glorifient pas le nom de Jésus? Jeune, que laisseras-tu sur ton passage? Tu as une vision. Tu ne la distingues pas. Peut-être es-tu encore voilé. Peut-être ne le vois-tu pas encore. Mais peut-être a-t-on déjà pointé dans ta vie un petit quelque chose que tu négliges. Peut-être a-t-on déjà pointé dans ta vie un petit talent que tu avais, que tu négliges, mais qui va servir à l'édification de tous en ce lieu. Qui va servir à ta propre édification. Jésus a besoin de ce cette petite chose que tu négliges, cette petite chose que tu ne vois pas. Peut-être que lorsque je parle, c'est flou pour toi. Mais attends-toi à Dieu, amen. Amen. Attends-toi à Dieu, cette chose-là, dans les jours à venir, tu le verras. Amen. Tu le verras. Reste concentré. Jésus veut te toucher et révéler l'Esprit qu'il a mis en toi. L'Esprit de Dieu qu'il a mis en toi. Qu'est-ce qui t'anime? Quel esprit t'anime? Qu'est-ce qui nous anime quand nous faisons certaines choses? Quelles sont nos influences? Qu'est-ce qui nous pousse à faire certaines choses? Qu'est-ce qui nous pousse à aller dans des lieux qui ne sont pas considérés comme lieux adéquats pour tout enfant de Dieu? Qu'est-ce qui nous pousse à faire ces choses-là? Quel est l'esprit qui nous anime? Est-ce toujours l'Esprit de Dieu? Il faut constamment se poser ces questions. Il faut constamment se tourner vers Dieu et demander, « Oh Dieu, ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de faire, est-ce ta volonté parfaite? Est-ce ta volonté parfaite? Qu'est-ce qui nous anime? » L'Esprit de Dieu en nous, qu'est-ce qu'il anime? Il anime une force. L'Esprit de Dieu en nous, qu'est-ce qu'il fait? Il nous propulse. C'est-à-dire que là où tu n'arrivais pas à agir, tu vas agir.
Là où tu n'arrivais plus à parler, à démontrer que tu étais enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu en toi va démontrer que tu es de Dieu. On a tendance à négliger l'identité que nous avons. On a tendance à oublier qu'en nous, c'est l'Esprit. Qu'en nous, c'est le souffle de l'Esprit. Qu'en nous, c'est Dieu lui-même. En nous, c'est Christ. Christ doit apparaître dans ta vie. Est-ce que quand tu te regardes dans un miroir, peux-tu dire, je vois Christ? Peux-tu dire, je vois Jésus? Est-ce que lorsque tu penses, peux-tu dire que tu es animé par les sentiments de Jésus? Peux-tu dire que les caractéristiques qui te correspondent sont celles de Jésus? Oh, qu'est-ce qui t'anime? Quel est cet esprit qui t'anime? Peut-être que tu es hors, tu es en dehors de la vision que Dieu a pour toi. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une possibilité. Tu as l'opportunité d'entrer dedans. Tu as l'opportunité de faire partie de ce groupe. Je dirais même plus de ce troupeau ou encore de ce peuple ou même de cette famille, la famille de Dieu. Tu as cette possibilité. Pourquoi? Parce que même si tu crois que toi, tu n'es pas capable, il te donne la capacité. Nous avons reçu non pas un esprit de peur, ni même un esprit de timidité. Nous avons reçu un esprit de force. Nous avons reçu un esprit d'amour. Nous avons reçu un esprit de sagesse. En ce lieu, c'est l'esprit de Jésus. Force, amour, sagesse, jeunesse. Tu as cette force. Tu as l'esprit de Dieu. Avant même que tu sois là, Joël disait que lui, Dieu, répandra de son esprit sur toute chair. Avant même que tu sois né. Alors jeune, que veux-tu laisser sur ton passage? Quelle est l'histoire que tu veux laisser derrière toi? Est-ce la débauche? Je ne pense pas qu'un jeune désire laisser la débauche sur son passage. Moi, personnellement, lorsque l'on dira, quand elle était jeune, Vévette, il y avait ça, 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 ça. Je veux dire, Seigneur, ok, merci, il y avait ça, 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 ça. Mais est-ce que ça a contribué à l'avancement du royaume de Dieu sur la terre? Parce que tu peux laisser quelque chose sur ton chemin et tu peux avoir de l'influence au dehors, c'est vrai. Tu peux déjà là, peut-être que tu ne marches pas avec Dieu, et tu peux déjà avoir de l'impact dans ton travail, dans tes études, etc. Mais est-ce que ça contribue à ce que le royaume de Dieu avance? Quand je dis jeune, que laisseras-tu sur ton passage? Je ne te dis pas spécialement de mettre ton talent en exécution. Oui, tu dois le faire. Mais pour moi, c'est mieux si tu le fais et que cela contribue à l'avancement du royaume de Dieu. Peu m'importe que tu aies un talent, mais s'il ne contribue pas à ce que le nom de Jésus soit glorifié, oh mon frère, ma soeur, c'est vain. C'est vain. L'amour de Dieu, l'amour qu'il a envers toi, peut aujourd'hui te faire avancer. Parce que là où tu te dis, je suis un pécheur, lui, il te dit, viens mon enfant, je t'aime. Viens mon enfant, je t'aime. Viens mon enfant, je t'aime. Ma grâce est sur toi. Ma grâce est sur toi. Je te vois, je te regarde, je te connais. Ricatokarise kadirise reyarikotarista. Il te connaît mieux que toi, mieux que tes amis, mieux que ceux qui te conseillent. Et il a mis des hommes sur ton chemin. Ces hommes que quelquefois tu négliges, ces hommes que quelquefois tu manques de sagesse et tu leur fais mal, tes parents, ceux que Dieu avait établis, ils sont là aussi pour te guider. Ils sont là aussi pour te guider vers Dieu. Mais lorsque ils ne jouent pas le rôle de guide, c'est à toi, jeune, de te lever. Parce que tu as l'esprit de Dieu. Parce que tu as cette force en toi. Parce que tu as cette vision. Oh bien-aimé, j'ai envie de te dire, engendre quelque chose de grand. Engendre quelque chose de grand. Accouche. Soyons directs, accouche quelque chose de grand pour la gloire de Dieu.
Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, des songes. Joseph avait un songe. Ce songe a causé sa chute. Aux yeux de ses frères, il n'y avait plus de Joseph. Aux yeux de Dieu, Joseph, ce n'était pas le Joseph que vous voyez là, mais c'était un autre Joseph. Encore à cause d'un songe, Jésus, Dieu, notre roi, l'a élevé. Alors pourquoi pas toi? Il était jeune, hein, Joseph. Joseph était jeune. Ils sont nombreux à être jeunes. Salomon, il avait la sagesse. Il était jeune. Il était jeune. Et pourtant, c'est lui qui a construit le temple de Dieu. Oh, bien-aimé, est-ce que ton talent que tu as déjà mis en action contribue-t-il à l'avancement du royaume de Dieu sur la terre? Est-ce que l'intelligence que tu as contribue à ce que ceux qui sont perdus viennent à Dieu? Est-ce que les capacités que tu as, les compétences que tu as, mais qu'est-ce que tu fais avec cela? Est-ce que tu les caches? Pourquoi les caches-tu? Pourquoi as-tu peur? Nous l'avons vu, ce n'est pas un esprit de timidité ni de peur, de force, de courage et d'amour. Le royaume des cieux appartient aux violents. J'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, comme avait dit Dieu à Gédéon, va, 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 avance, avance, avec ce que tu as, avec ce que tu as. Avance avec ce que tu as. Peut-être que tu vois ça, c'est inutile. Mais moi, je te dis, moi, je te confirme que c'est de Dieu. Amen. C'est de Dieu. Dieu a posé sa signature. Le sceau de l'esprit. Oh, le sceau de l'esprit. J'ai dit le sceau de l'esprit. Tu es enfant de Dieu. Tu as la possibilité de faire plus que ce que tu ne fais. C'était censé être une conférence interactive. Mais j'ai à cœur de te dire, tu doutes tellement que je n'ai même pas la possibilité de te donner la parole. Tu doutes. Arrête, cesse de douter. Confie-toi en l'Éternel. Tu verras ce qu'il fera. Il va t'ouvrir des portes. Et les portes qu'il va t'ouvrir, tu auras l'impression que tu auras constamment besoin de lui. Or, il est déjà en toi. Et il marche avec toi. Quand tu poses un acte, ce n'est pas toi, c'est Jésus en toi. Amen. Quand tu marches, ce n'est plus toi, c'est Jésus en toi. Sois une lumière pour les autres. Sois ce sel qui donne de la saveur à ce monde. Le monde va à sa perte. Et nous jeunes, que faisons-nous? Nous sommes aussi en train d'aller à notre perte parce que nous suivons la distraction qu'il y a dans ce monde. Or, Jésus veut nous amener hors de là pour que nous puissions le suivre lui. Parce que lorsque nous allons le suivre lui, ce que nous allons accomplir avec lui sera tellement grand que le monde qui allait à sa perte tout doucement va revenir vers le Père. Que le cœur des enfants revienne à Dieu. Que ton cœur revienne à Jésus. Que ton cœur revienne à Jésus. Oh, tes pensées, qu'elles reviennent à Jésus. Sois focalisé sur Jésus. Et lorsque tu es focalisé sur Jésus, c'est Jésus en toi. C'est Jésus en toi. C'est Jésus pour toi. C'est Jésus avec toi. Et tu marches selon Jésus. Alors arrêtons, nous jeunes, de dire que c'est trop difficile. Nous avons tendance à dire que c'est difficile. Or, si tu es avec Jésus, ce qui concerne Jésus ne sera pas difficile. C'est difficile parce que nous ne sommes pas avec Jésus. Nous sommes un petit peu en dehors. Nous sommes un petit peu à l'écart. Et quand ça nous arrange, nous voilà devant Dieu. Non, Jésus a besoin de toi tout le temps, à temps plein. Es-tu un chrétien, une chrétienne à temps plein? Nous disons mouvement jeunesse chrétienne. Mais es-tu un chrétien, une chrétienne à temps plein? C'est-à-dire matin, midi, soir. C'est-à-dire du lundi au dimanche, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les chrétiens, où sommes-nous? Jésus a besoin de toi. Mais surtout, Jésus
a besoin de la force qu'il a déjà mis en toi. À toi de chercher cette force. Comment trouver ? Tourne-toi vers Jésus. Tourne le regard vers Jésus et tu trouveras la force qu'il a mis en toi. Et l'Esprit de Dieu sera activé. Suscite l'Esprit de Dieu en toi. Ne te néglige pas. Tu es jeune, mais tu as une force. Tu es jeune, mais avant tout, tu es un esprit. J'insiste, au nom puissant de Jésus-Christ, que le peuple de Dieu dise qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. On va se mettre debout. On va se lever pour la gloire de Dieu. Jeune, que laisseras-tu sur ton passage? Oh, jeune, si ce message t'a touché, si ce message t'a fait du bien, tu peux lever les mains vers le ciel. Lever tes mains vers la source qui donne toutes choses. Il s'appelle Jésus. Jésus, toi la source de ma vie. C'est vers toi que je tourne et me regarde. Je vais appeler le groupe Fraîche Rosée. Et nous allons prier. Pendant que le groupe Fraîche Rosée va interpréter le chant qui dit Renaissance, nous allons prier. Nous allons demander le secours de l'Éternel pour que cette chose que tu négliges ou que tu ne vois pas ou que tu as déjà mis en action dans le monde puisse servir et contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Tu es roi, Seigneur. Tu es roi, ma Père. Fais ce que tu veux, ô Dieu. Nous sommes les adorateurs. Nous sommes tes vrais adorateurs. Ce label que tu recherches, nous voici, Seigneur.
J.Y. Jesus first, or the second, and yourself last. This is a vision of love. Aujourd'hui, dans le cadre de la jeunesse, J.Y. TV s'est déplacé. Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. Nous sommes à Verviers. Nous sommes venus pour un événement. Mais j'aimerais que vous puissiez le découvrir par vous-même. Donc, je suis le docteur Vevette Oko. Ok. Et je vis ici en Belgique, à Verviers. Et j'exerce mon ministère à l'Église évangélique du Saint-Esprit, ici à Verviers. Qu'est-ce qui vous a poussé d'avoir l'idée d'organiser cette journée? J'ai organisé cette journée suite à un besoin de la jeunesse de pouvoir avoir l'opportunité tout simplement de glorifier Dieu, avoir l'occasion lors d'une journée comme celle-ci de pouvoir tout simplement écouter le message de l'Éternel Dieu. Voilà, c'est tout simplement dans ce but que nous avons organisé cette journée. Le but également de cette journée était vraiment une transformation pour les jeunes. Les jeunes avaient besoin d'un renouveau, de quelque chose de nouveau. Ils avaient besoin vraiment de sentir que Dieu les aimait et avait également un message pour eux. Et qu'attendez-vous en les interpellant à travers cette journée? Le feedback que j'aimerais recevoir de la part des jeunes, c'est qu'ils me disent « Jésus m'a visité et à partir d'aujourd'hui, je marche avec lui ». Tout simplement. Qu'est-ce que vous avez apporté aussi comme conseil à la jeunesse? Le conseil que je peux donner à la jeunesse, c'est tout simplement de chercher Jésus. Amen. Cherchons, connaissons et vraiment chercher l'Éternel. Il est temps de le rechercher parce que non seulement il a besoin de vous, mais vous avez également besoin de lui. Alors jeunes, moi je t'encourage à chercher Jésus, tout simplement. Y a-t-il un autre événement de prévu par rapport à la jeunesse pour, et où est-ce qu'on peut vous contacter? Très bien. En fait, l'événement de cette journée a été organisé dans le cadre du mouvement de la jeunesse chrétienne. Le mouvement de la jeunesse chrétienne, c'est un mouvement qui est établi ici à Verviers. Nous nous réunissons donc deux fois par mois, c'est chaque samedi. Enfin, deux fois tous les samedis, et alors nous partageons la parole de Dieu. Un événement ici à venir, pour le moment, il n'y en a pas. Toutefois, fin juin, le 27 juin, nous aurons un barbecue à destination de la jeunesse et surtout pour aller évangéliser. Voilà. De la fin. Un mot de la fin. Je remercie l'Église évangélique du Saint-Esprit. Je remercie le groupe AESEF de Paris, le groupe Eagles Gospel Group de Liège, le groupe Fraîche Rosée et tous les organisateurs et tout le peuple qui était présent. Nous avons été bénis et je remercie mon Dieu parce qu'il est fidèle. Toujours dans le cadre de Journée de la Jeunesse, nous avons le responsable qui est aussi un serviteur de Dieu. Bonjour pasteur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, moi c'est pasteur Simon Oko, responsable de l'Église évangélique du Saint-Esprit en Belgique. Nous sommes établis à Verviers. Ok, pasteur. Qu'est-ce que vous avez reçu en organisant cette journée de jeunesse? Bon, quelque chose que nous avons reçu, pas vraiment grand-chose. Nous avons reçu la visitation du Saint-Esprit. En fait, nous n'avons pas fait cet événement pour recevoir quelque chose, c'est une recommandation. Nous avons été établis en juillet 2014. Juste après la consécration, nous avons cherché Dieu. Et au mois d'août, Dieu a donné cette vision qu'on a commencée en octobre. Et on avait à cœur de rassembler la jeunesse. On a à cœur que cette jeunesse de Verviers puisse se réveiller, Verviers et alentour. On a à cœur que les jeunes puissent revenir à Jésus. Ce que nous allons recevoir, c'est juste un mot que le Seigneur va dire de nous à la fin. Bravo, bon et fidèle serviteur. C'est tout ce que nous espérons. Par rapport à cette journée, êtes-vous satisfait? Je suis satisfait parce que j'ai senti moi-même personnellement la présence du Saint-Esprit. Je sais que la parole qui est sortie ne va pas repartir vers le Père éternel sans accomplir sa destinée. Et je suis vraiment touché, je suis satisfait parce que je sais que quand le Saint-Esprit descend, la gloire de Dieu descend, ce sont les chaînes qui tombent, les vies qui sont restaurées. Donc là, à chaud, j'ai vu la réaction de la jeunesse. Mais après, il y aura, c'est vraiment à ce moment-là qu'on commence le grand travail de suivi. On va suivre ces jeunes, on va essayer de maintenir le contact pour que la parole qui a été semée aujourd'hui ne vienne pas être arrachée par le diable. Quel avait été le thème de cette journée? Le thème de cette journée, c'est le même thème que l'année dernière, « Jeune, que laisseras-tu sur ton passage ?» Parce que la jeunesse est une période où les hommes sont encore de la force de l'âge, sont encore de la vigueur, ont encore de la force. Et nous avons remarqué une chose, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est la vieillesse de demain, c'est la sagesse de demain. Et le diable combat
beaucoup la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons à cœur de poser cette question aux jeunes qui nous regardent. Que laissera-t-il sur ton passage? Je ne parle pas de quelque chose de vain. Je parle de quelque chose qui est inscrit dans les cieux. Quelque chose que le Père éternel viendra, quand Jésus viendra, quand il va faire le bilan, il va dire qu'à telle époque de ta vie, tu as manifesté telle chose que j'avais mis, que tu as manifesté dans ta génération. Voilà pourquoi nous avons dit, jeune, que laisseras-tu sur ton passage? Il y a des gens qui laissent des choses, mais nous voyons que c'est vain. Une fois que ces choses, ces personnes-là sont mortes, plus personne ne parle d'eux. On cherche encore de nouvelles idoles. Alors je peux prendre par exemple l'exemple d'un jeune comme Joseph à qui on a parlé aujourd'hui. Joseph est mort, je ne sais en quelle année, mais jusqu'à aujourd'hui, sa vie continue à lui édifier. C'est un jeune qui a laissé quelque chose sur son passage. Et c'est cette chose-là que j'invite les jeunes aussi à laisser sur leur passage. Est-ce que vous avez pris beaucoup de temps pour organiser cette journée? La date du 1er mai a été arrêtée depuis octobre 2014. Nous avons pris beaucoup de temps, nous avons pris beaucoup de temps dans la prière. Et Dieu a fait grâce, les portes ont été ouvertes, dont vous que nous avons croisé en évangélisant sur la ville de Liège. Nous avons vraiment pris beaucoup de temps et je suis dans la joie de savoir que le Dieu de la Bible que je lis existe, qui se manifeste, qui parle, qu'on l'écoute. Et je veux dire aux jeunes qui me suivent, je ne suis pas supérieur à vous, je n'ai rien d'exceptionnel, c'est Jésus lui-même qui choisit. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous n'avons pas commencé parce que nous ne voulons pas que ce soit un mouvement de plus. Les temps arrivent, le temps de la fin arrive. Jésus revient, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Et celui qui nous regarde, celui qui sent dans son cœur, qui sait que Jésus existe, je te confirme que Jésus existe et cherche-le. Car j'ai cette conviction, celui qui cherche Dieu de son cœur, d'un cœur sincère et reconnaissant, le Père éternel se manifeste. Et là où tu es, tu n'as pas besoin de venir à verver. Partout là où tu es, tu peux toi aussi allumer la flamme. Une chose est sûre, un réveil spirituel va se passer et beaucoup viendront à Jésus. J'ai la foi, donc je n'ai aucune crainte. Que la jeunesse découvre Dieu, que la jeunesse reste attachée à Jésus et que nous fassions les grandes choses. Faire des grandes choses, ce n'est pas réunir le monde. Faire des grandes choses, c'est faire sa volonté. Nous vous présentons un homme de Dieu qui s'est aussi déplacé pour la gloire du Seigneur. Nous disons bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Vous vous appelez? Je m'appelle le pasteur Matondo. Le pasteur Matondo, vous venez de quelle église et de quel pays? Je viens de l'Association évangélique du Saint-Esprit en France. Et nous sommes à Paris, dans le 13e arrondissement. L'homme de Dieu, qu'est-ce que vous avez à dire sur le déroulement de la journée de la jeunesse? Déjà, c'est une grande joie de pouvoir réunir autant de jeunes. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment facile de pouvoir réunir les jeunes. Donc, tout ça, c'est comme on dit, c'est l'œuvre de Dieu. Et que nous devons continuer dans ce sens-là, nous qui sommes des responsables, de pouvoir aussi encourager les jeunes. Parce que si aujourd'hui il y a eu une journée, c'est quelque part, donc il y a eu un début. Donc ces débuts-là, c'était un pasteur ou un responsable qui a essayé de motiver les jeunes. Et que les jeunes ont pris un départ et eux aussi, à leur tour, ils ont commencé à motiver les autres. Donc c'est une grande joie pour moi de pouvoir participer à des journées comme ça et encourager la jeunesse. Parce qu'on dit que nous allons partir. C'est comme le thème d'aujourd'hui, hein. Que laisseras-tu? Donc nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, c'est vrai, ça va arriver un moment où nous allons partir, mais qu'est-ce que nous allons laisser à la jeunesse, à la génération future? Donc c'est ça, c'est quelque chose que nous baptisons petit à petit et que nous laisserons. Peut-être un jour, si nous ne sommes pas là, mais on est sûr que cette mission-là continuera de génération en génération. Donc, c'est comme on dit en français, c'est une transmission. Donc, nous transmettons ce que nous avons reçu, parce que quelque part, j'ai entendu ce que vous avez dit. Donc, nous avons reçu de nos parents, nous transmettons à la jeunesse. Et demain, eux aussi, ils transmettront aux générations futures. Donc, c'est la continuité de la parole de Dieu. Merci, l'homme de Dieu. Je crois que vous avez tout dit. Parce qu'il est question de transmission. La jeunesse a reçu une transmission. Aujourd'hui, elle transmet à un autre monde, qui est une autre jeunesse, pour pouvoir aussi réveiller un esprit de jeunes qui va aussi pouvoir transmettre à leur tour. Maintenant, quel conseil apportez-vous en tant que père, en tant que serviteur de Dieu à cette jeunesse?
Ben, le seul conseil que je peux leur apporter, c'est dire, nous, on n'est pas nés comme ça. On a été jeunes aussi. On a passé les étapes qu'eux aussi, ils passent aujourd'hui. Mais nous ne nous sommes pas doutés quand nos parents nous parlaient de Jésus, que voilà, le seul chemin qui mène à la vie éternelle, c'est de croire en Jésus, parce que celui qui reçoit Jésus est sauvé. Et nous, on a suivi ces cheminements-là, et aujourd'hui, et nous en voyons le fruit. Donc, que les jeunes d'aujourd'hui ne se découragent pas en disant « il est trop tard », non, parce que nous aussi, on a été jeunes. Bon, c'est vrai, les bêtises, on en a fait, comme vous le faites aujourd'hui. Mais moi, je crois que cette jeunesse d'aujourd'hui, elle est bénie parce que nous, peut-être on a connu Dieu trop tard. Mais vous, c'est une grande bénédiction parce que vous connaissez Dieu dès votre jeunesse. Et vous allez grandir avec, cet espoir-là que peut-être que nous, on n'a pas connu. Donc, je crois que c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Merci, pasteur. Un mot de la fin par rapport au site qui s'est approché vers vous et par rapport aussi à tout l'ensemble du déroulement et qu'apportez-vous comme conseil et aussi mot de la fin. Bon, le seul conseil que je vais donner, donc mon dernier mot de la fin, je n'ai pas l'habitude de passer sur des chaînes de télévision parce que c'est vrai, y a beaucoup de gens qui me connaissent mais il y en a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas. Donc, c'est une longue histoire. Si je peux développer un petit peu, on se connaît avec le pasteur responsable d'ici. Parce que lui aussi, il est quelqu'un qui travaille dans les mêmes, si vous voulez, dans les mêmes... nous avons percé la même doctrine. Et c'est très rare que je sorte de chez moi pour aller dans une église. Et si je viens ici, c'est que c'est une église qui est bénie. Et si je passe à votre télévision, c'est une télévision qui est aussi bénie. Donc, je ne passe pas vos émissions. Donc, vous avez cette chance-là. Et je crois que votre télévision est bénie. Je suis un homme très rare. Ceux qui me connaissent, vont être étonnés de me voir devant votre télévision parce que j'aime pas qu'on me connaisse, parce que Jésus, quand il faisait des miracles, il disait toujours n'en parlez à personne. Et moi, j'aime bien être dans l'anonymat parce que l'anonymat, c'est quelque chose de bien. Donc j'aime pas m'étaler comme ça. Donc je crois que vous avez une grande chance et j'ai béni votre télévision. Je crois que vous irez de l'avant parce que ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est quelque chose que je vous avais recommandé. Vous avez reçu gratuitement, vous aussi donné gratuitement. Et quand le pasteur Oko a dit qu'ils ont fait un reportage, ils ont fait des prestations gratuites, ça m'a beaucoup touché. Et ça, c'est les recommandations de Jésus. Allez partout où les gens ont besoin de vous pour essayer de propager la bonne nouvelle. Et ce que vous faites là, vous l'avez fait gratuitement. Mais ce que vous avez reçu de Dieu, vous ne le savez pas, parce que tout vient de Dieu. Merci, homme de Dieu. Donc, je vous renvoie aussi l'ascenseur. Donc, ce que vous avez aussi, ne le retenez pas chez vous. Passez aussi à travers les chaînes bénies comme la nôtre pour aussi pouvoir transmettre, parce que aussi le peuple de Dieu a besoin de vous. Oui. Soyez bénis. Merci. Moi, nous-mêmes, on a une chaîne, mais je suis jamais passé à cette chaîne-là. Dieu a permis. Aujourd'hui, voilà. Vous allez maintenant briser la glace. Vous avez la primauté de mes paroles. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous êtes bénis, parce que moi-même je suis même pas passé dans ma propre chaîne. Donc je l'évite, mais parce que bon, je sais bien que la sœur Donna, c'est elle qui s'occupe des interviews, des émissions, tout ça. Mais elle m'a beaucoup souvent invité, mais j'essaie un peu d'esquiver. Voilà. Mais la seule chose que je veux vous dire, parce que le dimanche dernier, j'avais parlé de la troisième apparition de Jésus à ses apôtres. Et qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit ceci, que Jésus avait dit à ses apôtres, parce qu'il ne savait pas que c'était lui, il a dit, j'étais le filet, ah vous avez rien? Ils disaient, oh non, on n'a rien. Il a dit, j'étais le filet à droite.
Donc, les apôtres et les disciples n'ont pas discuté, c'est-à-dire ils ont suivi les recommandations de Jésus. Ils ont jeté le filet à droite et en tirant, il y a eu beaucoup de poissons. Et pourtant, ils ont fait toute une nuit, ils n'ont rien récolté. Donc, vous aussi, ce que vous avez fait là, vous avez suivi l'instinct de ce que vous faites en disant, bon, on va y aller sans pour autant demander quoi que ce soit. Donc, on va y aller pour essayer de propager la bonne nouvelle. Et dans l'entretemps, les apôtres, quand ils sont sortis de l'eau, Jésus avait préparé un festin. Au bord de l'eau, il y avait un feu, il y avait du poisson. Et il a dit, ramenez le pain et on va manger ensemble. Ce que vous avez fait là, Jésus vous attend au bord de l'eau et vous aurez votre festin. Que Dieu vous bénisse tous. Merci et beaucoup. Et que vous allez de l'avant. Et que le Saint-Esprit vous guide toujours. Parce que Jésus a dit, je vous enverrai le Consolateur, c'est lui qui va vous guider. Donc, marchez selon l'Esprit et vous verrez que Dieu sera toujours avec vous. Amen. Merci, homme de Dieu, pour le conseil. Joy TV reçoit ce conseil avec joie. Fidèle, comme je sais, avec lui. Je veux passer le micro, vous allez toutes vous présenter, chacune. Bonjour, je suis la sœur Donna. La sœur Donna. Moi, c'est la sœur Christelle. La sœur Christelle. Moi, c'est la sœur Brunette. La sœur Brunette. Brunette. Bonjour à tous, moi, c'est la sœur Allison. Et vous venez de quel pays, précisément? De la France, de Paris. Cette jeunesse s'est déplacée pour rendre gloire à l'Éternel. Qu'avez-vous à dire pour cette journée? Donc vraiment, cette journée nous a bénis. Déjà, le fait de se retrouver plusieurs jeunes ensemble pour la gloire de Dieu, c'est une grande joie. Beaucoup de jeunes se retrouvent peut-être pour aller en boîte, pour aller faire des bêtises, des sorties, etc., qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais aujourd'hui, les jeunes de Belgique, de Paris, de plusieurs endroits différents, se sont réunis pour le Seigneur. Et vraiment, on a été bénis par les différents groupes qui ont chanté, par le message du docteur Vivette. On a vraiment été touchés et on a senti vraiment la présence de Dieu, l'esprit de Dieu et l'amour de Dieu. Amen. Moi, je remercie déjà la sœur Vivette pour cette invitation. Nous avons été bénis, comme la sœur Donna vient de nous le préciser. Et nous rendons seulement gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Je sais que beaucoup ont été touchés et que la façon dont nous sommes rentrés, ce n'est pas la même manière dont nous sommes sortis aujourd'hui. Merci beaucoup. La sœur Brunette. Moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Juste que je veux vraiment déjà remercier la sœur Vivette de nous avoir invités à cet événement. Vraiment, on a été vraiment touchés par ce qui s'est passé et nous avons vraiment ressenti l'esprit de Dieu. Et vraiment, je remercie Dieu vraiment de nous avoir accompagnés et de nous avoir vraiment remplis de son esprit pour pouvoir l'adorer et à travers la jeunesse, à travers ces instruments que nous sommes. Et vraiment que la gloire soit rendue à Dieu. Voilà ce que j'ai à dire. Amen. Alors, moi, je voudrais remercier l'Éternel pour la journée d'aujourd'hui. C'est vraiment une grâce et c'est vraiment merveilleux de voir toute une jeunesse réunie. La famille chrétienne a été réunie aujourd'hui pour glorifier le nom de l'Éternel. Et c'est vraiment merveilleux de voir que la jeunesse aujourd'hui se lève pour glorifier le Seigneur, pour tous les bienfaits qu'il fait dans nos vies. Et aujourd'hui, nous avons été bénis par la prédication, par l'événement. Vraiment que Dieu bénisse l'Église du Saint-Esprit en Belgique pour cet événement et pour l'invitation d'aujourd'hui. Que tout le monde soit béni. Amen. Nous sommes de l'Église évangélique du Saint-Esprit en France. Donc nous avons le même nom que l'Église à Paris. Donc 14 rue de Pathé, Paris 13e. Donc nous sommes conduits par l'apôtre Matondo et l'évangéliste Mabanza. Nous avons aussi un site internet qui s'appelle www.eglise-esef.com. Donc vous pourrez trouver toutes nos vidéos sur YouTube aussi en tapant seulement AESF TV. Voilà. Un mot de la fin à qui je vais donner pour le mot de la fin.
On voudrait remercier encore une fois l'église qui nous a invités pour l'événement d'aujourd'hui. Et puis vraiment qu'il soit béni. Et vraiment c'est une grâce c'est une grâce que Dieu nous fait aujourd'hui d'être réunis tous ensemble. Et qu'il continue à toucher la jeunesse, que vraiment la jeunesse serve l'Éternel. Et ils verront que vraiment leur vie va changer. Ils verront vraiment beaucoup de choses merveilleuses s'accomplir dans leur vie, comme nous le vivons. Amen. Merci Seigneur. Vous les sentez quand elles parlent, elles sont remplies de l'Esprit de Dieu. Rien ne me séparera de toi, Jésus. Rien ne me séparera de toi, Jésus. Le groupe s'appelle Fraîche Rosée. C'est le billet par lequel la journée de la jeunesse a été organisée. Cette journée, comment l'avez-vous reçue en voyant toutes ces jeunesses se déplacer? Ça nous a fait vraiment une grande joie dans le cœur parce que vraiment quand Dieu donne un projet, nous savons que ce projet sera toujours victorieux et que ce projet sera toujours magnifique. Donc je vais rendre gloire à Dieu pour cela, pour cette journée. Merci. Et je me tourne à côté sur la sœur. Moi, c'est la sœur Micheline. La sœur Micheline. Ouais. Par rapport au thème qui a été lancé pour la jeunesse, quelle seras-tu sur ton passage? Comment attends-tu à envoyer comme autre message à travers ce que tu as apporté aujourd'hui? Tout simplement que les jeunes, en fait, se consacrent à Dieu, qui donnent leur cœur, parce que c'est dans le cœur que tout se passe. Donc, si la jeunesse doit tout simplement donner son cœur à Dieu, et de là, Dieu fera de grandes choses, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup. Et je vois à côté du groupe, il y a un monsieur, un serviteur de Dieu, à qui je m'en vais demander le nom. Je m'appelle Janelle. Le frère Janel est un peu timide, mais il fait partie d'un groupe de feu. Amen, frère. Vous nous avez fait danser, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que vous avez à dire à la jeunesse via Joy TV? Je vous invite tous à regarder la page Fraîche Rosée et de venir à Dieu et que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse, il vient de nous dire. Comprenez le frère, il sait manipuler sa guitare, c'est sa force. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous retournons encore auprès du docteur qui a aussi quelque chose à dire par rapport au groupe. Oui, donc le groupe Fraîche Rosée tenait à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et on remercie également l'équipe DIY TV qui nous interviewe. Et alors, le message de Fraîche Rosée pour la jeunesse, c'est que repentez-vous, car des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Merci beaucoup. Vous avez tous compris. Un message a été lancé. Repentez-vous, jeunesse. Et cherchez à laisser, durant votre passage sur terre, un héritage. Que l'on puisse parler de vous comme on a parlé de Joseph. Nous avons écouté le message. Le thème était « Quelle seras-tu ?» Mais par rapport, je me tourne encore à ma gauche, c'est la sœur Naomi. La sœur Naomi, par rapport au message qui avait été donné sur Joseph, qu'avez-vous retenu? Vraiment, déjà j'ai été touchée par ce message et je me suis dit que lorsqu'on a le talent ou quand on a quelque chose que Dieu a dit à notre propos, il faut vraiment le considérer. Si une parole a été dite par un serviteur ou quoi que ce soit, il ne faut pas la dénigrer, cette parole. Il faut savoir que le peu que tu as, comme Dieu dit, il fait les choses de gloire en gloire. Donc le peu que tu as, tu vas avancer avec cela et ne pas douter surtout. Voilà. Merci. Et vous avez été le seul à organiser cette journée ou bien vous étiez plusieurs groupes? Parce que maintenant, on ne voit plus les autres. Vous étiez à combien? Le groupe organisateur, c'est le groupe Fraîche Rosée. Et alors, nous avons invité le Eagles Gospel Group de Liège et le groupe AESEF de Paris. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse.
你的心。去满天